Non, il y a des T'as vu mon nouveau grand cactus? Là, là. Voyez, viens, maman, on va faire les petites plantes. Hello, va, bonjour, 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 bonjour. J'espère que vous avez bien dormi. Alors, moi, j'ai bien dormi, vous savez, après le voyage, j'ai été capote. J'étais vraiment capote au point où j'ai dormi jusqu'au matin. Là, on est en train d'aller au marché. Je vais voir comment ça se passe le marché dans cette ville. Je suis avec les chouchous, tout le monde. J'adore bien ce hein. Regardez, ça souffle tellement. Il y a du vent, donc on ne sait même pas comment ça vient en ce moment. Alors, quand je venais, je j'ai pas prévu en fait. J'ai regardé la météo, mais bon, je faisais pas confiance à la météo. J'ai pas apporté les vêtements pour le froid, j'ai apporté plutôt les trucs d'été et tout, en fait, pour la chaleur. Et là, vraiment, je sais pas quoi faire. J'espère quand même qu'on aura un beau temps aujourd'hui. Là, c'est juste pour faire un tour au marché. J'aime trop l'endroit-ci. C'est comme, vous savez, je sais pas qui a vu le film des semaines. Ma belle-mère qui vient là-bas derrière. Oh, elle vient derrière. Comment sont partis les filles? À tout à l'heure, mes loves. On y va. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu la mer, vous savez. Ça fait combien de jours que je n'ai pas vu la mer? Et je dis même des jours, je crois que ça fait 2 ans que je n'ai pas été au bord de la mer. Donc là, je suis déconnectée de tout ce qui est connexionnage. Je suis déconnectée de stress. Je suis déconnectée d'angoisse. Je suis déconnectée de trop de tête. Ah d'accord. Oui, il y a pas. Ça vient jusque là, mais ça continue. Mais attends, c'est tout ça le marché? Oh mon Dieu. Ben oui, parce que il y a trop de vin. Là-bas. On fera le tour par là après. Mais oui, mais il n'y a pas de problème là. Waouh! Ici il y a les tableaux, c'est très magnifique. Maïlis, tu bloques ma chérie. Waouh! Il y a un monde. Elova, dites-moi. Mon chéri vient de m'offrir ce chapeau. Donc je me prépare déjà pour la plage. Comment vous le trouvez? Dites-moi. J'ai pas beaucoup filmé hein, parce que je savais pas. Comme ma fille m'a dit, ouais, il y a trop de monde, donc c'est difficile de filmer ici. Bon, j'ai trouvé par là qu'il n'y avait pas trop de monde. Et donc je me suis dit, je vais vous montrer. Déjà, n'oubliez pas de me dire comment vous me trouvez avec ce chapeau. Comment vous le trouvez? J'adore les chapeaux. Avec les lunettes. Ils sont où? Bon, je vous montre quand même un peu le marché, juste un tout petit peu.
Le marché a failli me rendre bête. Trop de bonnes choses. Surtout le premier marchand là. Il avait trop de couleurs. Il y avait toutes les couleurs. Je voulais tout prendre. Tout. Dorian, tu es comme moi, ma chérie. Vous voulez un peu tout là. Regardez-moi celle-ci. Elle se croit au paradis là. Voilà celle qui se croit au paradis. Bon, mais le voilà, on a fini. On rentre. On rentre manger et on va ressortir après midi. Bon, on a eu la chance. On a franchement eu une belle journée aujourd'hui. Je peux même pas dire si on peut appeler ça belle journée. Donc, ok, qu'est-ce que je vais pas faire pour vous, hein, les abonnés ici. Vous voyez, c'est magnifique là-bas. La mer et tout ça. Mimi, tu ne fais pas une photo? Mais à moi, non? Ben oui. Donc, Melova, comme je vous disais, par là, c'était juste pour la promenade et ils ont interdit aux gens de marcher avec les maillots de bain. Ils ont interdit aux gens de marcher avec les maillots de bain parce que les gens passaient par là, ils se retrouvaient de l'autre côté en maillot sans. Aide-moi de ça. Attendez, hein? Donc voilà, par là on pouvait se promener et tout ça. Et les gens ont exagéré. Vous savez que ici, il y a certaines personnes qui marchent quand ils sont au bord de la plage, qui ne mettent pas du haut au poids. Donc vous avez les lolos à terre et tout. Donc du coup, ils ont interdit, ils ont tout barré en fait. Ici, on te trouve en maillot. En fait, c'est interdit même. C'est interdit, c'est même pas qu'on te trouve. Mais moi, je dis non. Ils pouvaient laisser certaines personnes se promener comme ça. Et ceux qui dépassent les règles, eux, on pouvait vraiment les amener. Ils ont venu tout le monde. Parce que vous savez, tu peux finir, tu sors de l'eau, de la mer, tu te promènes tranquillement aussi, prends du bon temps et tout. Ma belle-mère ne voulait pas aller au bord de la mer parce que le vent souffle tellement. Elle s'est avancée. Là, voilà, assise là-bas qui nous attend. Voilà. Allez, demandez à mamie si elle a tout attendu. Demandez à mamie si elle est fatiguée. Mais voilà. Mais Lova, là, on ressort. Direction inconnue. Je ne sais pas où nous allons. Je ne sais pas. Mais là, on a décidé de repartir. Et les filles croient que c'est au port. Là, monsieur veut nous faire la surprise. Ni moi, ni les enfants, ni ma belle-mère, personne ne sait là où on va. On ne sait pas. Demain, je vais vous parler de ce quartier que j'aime bien, que j'adore, que j'ai franchement adoré. Mais là, en direction là, c'est inconnu. Par contre, il pleut. Franchement, la promenade pour la pluie, c'est pas très évident. Ok. On suit juste monsieur et puis à tout à l'heure. Alors, qui peut nous dire là où nous allons là tout à l'heure? Là, qui a deviné? Au port. Au port. Maëlys, toi, tu dis qu'on part où? Direction inconnue. Moi non plus, je ne sais pas. Papa a dit qu'il ne nous dira rien du tout. On va le découvrir. Mais bon, comme Dorian a souvent un pressentiment là, sixième sens. Tu n'as aucune idée là où on va? Aucune idée? Moi non plus. Moi j'ai une idée, mais bon, je n'aimerais pas me tromper. On attend juste à arriver à destination. Je vais un peu voir ta tête. Si la surprise va te plaire ou pas. Hein? En fait, peu importe. Hein? La surprise, c'est la surprise. Hein? Tu as vu là-bas? C'est magnifique de loin. N'est-ce pas, Dodo? Eh, okay, comment tu m'as dit qu'on filme encore, chérie? Je sais pas. Oh, j'adore. Allez, où? Au port. Waouh, c'est magnifique. Waouh, j'aime bien. Mais le va regarder, regardez. Oh là 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 là. C'est pas vrai. Ouh.
Mon Dieu! On va s'en sortir aussi aujourd'hui? Bien sûr, on est venu pour. Mon mari n'est pas encore un concours remporté en 2016. Eh ben! Elle ne va pas sortir? Bon, Elova, voilà la surprise. De loin là-bas, de loin, c'est là-bas que nous allons. On part à l'aquarium. Donc, j'avais une idée quand même. J'avais une idée parce que le matin, j'ai vu mon mari zapper l'ordinateur et tout ça. J'ai vu l'aquarium quelque part, mais bon, après, je n'étais pas sûre. Juste qu'il y a un moine fou qui a la queue, mais laisse tomber quoi. Tu aimes l'aquarium, ma chérie? Tu aimerais voir? Tu aimes la surprise? Voilà. Oula. Par contre, j'aime pas le grand roux là. Jamais je ne montrerai la chose. Jamais et jamais. Melova, Melova, j'espère que vous avez aimé vraiment notre visite à l'aquarium aujourd'hui. Donc c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez aimé, que vous avez adoré. N'oubliez pas de laisser les commentaires, n'oubliez pas de liker.
N'oubliez pas de me dire à quel point vous avez aimé. Bon, en fait, n'oubliez pas de me dire si vous avez aussi apprécié, en fait. Moi, j'ai adoré. J'ai adoré parce que j'ai déjà été à l'aquarium, mais ça fait très longtemps. Par contre, ici, j'ai trouvé ça hyper grand et très beau. Donc, c'est la fin. Là, nous allons prendre la route pour retourner. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Je ne croyais pas que j'adore comme ça. Je le croyais tout petit. Je vous adore.